J'inspire, j'expire agréablement. Et comme j'en ai maintenant l'habitude, je m'installe dans la position de confort qui me convient. Aujourd'hui, j'inspire, j'expire. Je laisse partir toutes mes pensées. Je porte mon attention sur la voix qui m'accompagne et me guide. Je fais confiance à mon corps. Je me fais confiance. Pour m'installer en conscience. Dans ce temps que je m'accorde aujourd'hui. Pour aller à la rencontre de moi-même. Aujourd'hui, j'inspire, j'expire profondément et je prends le temps de percevoir les points d'appui de mon corps. Au centre de mon corps, ma respiration va et vient. Calmement. Je l'observe. Et si besoin, je ralentis. J'inspire et j'expire. La détente s'installe sur mon visage. L'espace entre mes sourcils. Mon front. Mon cuir chevelu, tout se relâche. Mes joues, mes narines, mes lèvres se desserrent. Mes mâchoires, ma langue se relâche. Mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras.
Mes poignets, mes mains et mes doigts se détendent. La détente s'installe dans tout mon dos. Mon buste se détend. Mon bassin et mes jambes se relâchent. Tout mon corps s'apaise. Et j'inspire et j'expire profondément, lentement. Je me détends. Je me laisse aller. Et j'accepte que rien n'a plus d'importance. Rien. Que ce temps où toute mon attention est portée sur moi. Sur mon bien-être. Sur cet espace de développement personnel que je crée volontairement. Je vais à la rencontre de moi-même et aujourd'hui, j'entre dans mon niveau ressource. Je prends conscience que je vais chercher le centre de moi-même, le point invisible où je connais la paix. Au milieu d'un tourbillon de pensées, de désirs, de tout ce qui occupe le quotidien. Même si cela me paraît étonnant ou compliqué ou fastidieux peut-être, aujourd'hui, je me fais confiance pour découvrir cet exercice de sophrologie qui va m'aider à prendre soin de moi, à m'éveiller à moi-même. J'inspire et j'expire profondément. Je suis là pour moi et je m'accorde toute l'attention nécessaire. Et j'écoute la voix avec attention, sans juger ce que j'entends. Et mon corps vit pleinement ce temps. La sophrologie décrit trois niveaux de conscience,
trois niveaux de vigilance. Le niveau de veille, celui de l'activité quotidienne où les yeux sont ouverts. Le sommeil. Et un niveau appelé sophroliminal en sophrologie. Également appelé niveau alpha ou autrement selon d'autres disciplines. En tout cas, l'installation dans ce niveau conditionne l'efficacité des exercices sophrologiques. Dans ce niveau de conscience, toute activité, visualisation, pensée, exercice physique, agit sur nos structures et les dynamise. Pour l'atteindre, il est nécessaire de procéder à un relâchement musculaire minutieux. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de relâcher chaque partie du corps avec la respiration. Quand j'inspire, je relâche. À l'expire, je sens la détente qui s'installe au fur et à mesure. Sans que j'en me rende compte au début des exercices, mais ma vigilance de plus en plus s'accroît au rythme des répétitions. Peu à peu, je m'aperçois que dans cet espace intérieur, les ondes alpha sont présentes. Elles naissent dès la fermeture de mes yeux ou après quelques minutes d'intériorisation. Plus je m'antenne régulièrement, plus ces ondes alpha apparaissent rapidement. Leur fréquence s'accroît avec la pratique. Dans cet espace entre veille et sommeil, ma créativité est renforcée. Mon imagination est facilitée. Ma sensation de sécurité et de confiance est renforcée. Ainsi, je me prépare aisément à visualiser, imaginer et ressentir. En sophrologie, j'utilise très souvent le niveau ressource, le lieu de tous les possibles. Le simple fait de fermer mes yeux me permet de me concentrer spontanément et de produire naturellement des ondes alpha. Mais si je ferme simplement les yeux, ces ondes alpha vont manquer d'intensité. Alors, j'invite une profonde détente musculaire à s'installer. Au fur et à mesure de ma respiration, mon
mon corps se relâche. Puis mon mental s'apaise. Doucement, je me conduis moi-même en douceur et agréablement dans cet état ressource. Au fur et à mesure de la pratique, je respire lentement, j'apaise mon cœur, mon corps et mon mental. Je lis la détente dans chaque partie que je perçois. Ainsi, consciemment, j'unis mon corps et mon esprit. Cette décontraction musculaire entraîne un abaissement de ma vigilance, une décontraction mentale. Je peux de mieux en mieux suivre les exercices proposés sans juger. Je peux imaginer, me concentrer dans un calme profond et serein. Dans cette rencontre avec moi-même, l'idée n'est pas de basculer dans la rêverie, ni dans le sommeil. Mais bien de renforcer la concentration globale de mon corps, la conscience de l'instant présent. Je suis là pour moi, avec moi. J'inspire, j'expire, je relâche. La détente est maintenant bien présente dans tout mon corps, mon visage, j'inspire et j'expire agréablement et je porte à nouveau l'attention sur toutes les parties de mon corps. Je commence par mon visage où j'abandonne toute attitude rigide. Mon visage est globalement relâché, détendu.
Je porte toute mon attention sur ce que je ressens dans la peau et les muscles de mon visage, ici et maintenant. J'observe maintenant mes membres supérieurs, mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains et mes doigts qui s'abandonnent. Toute mon attention est portée sur les messages sensoriels dans mes membres supérieurs. Même les messages les plus subtils que j'ai l'impression de ressentir quelque chose ou pas, je laisse faire sans juger. Je fais confiance à mon corps et j'abandonne tout jugement en même temps que je relâche en profondeur tout mon corps. Mon dos est bien relâché, détendu. Je le sens dénoué, délacé. Je peux même y percevoir la présence de ma respiration. Qu'est-ce que je ressens dans mon dos? La détente s'installe dans mon buste, ma poitrine et mon ventre. Mon souffle est paisible et calme. Je respire naturellement. Mon bassin est relâché, comme mes hanches, mes fesses, mon périnée. Cette région de mon corps est bien dénouée. Je favorise la circulation du sang vers mes jambes.
Mes membres inférieurs se relâchent, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles, mes pieds jusqu'au bout des orteils se relâchent et s'abandonnent à ce calme agréable, aux sensations présentes dans tout mon corps. Je perçois globalement mon corps et toute la sensation créée par le relâchement. À chaque expiration, je descends un peu plus profondément en moi-même. Chaque expire m'entraîne un peu plus loin vers moi-même, vers mon bien-être, mon repos, mon calme. Plus je descends profondément en moi-même, plus mon corps se relâche. Plus je prends conscience de l'unicité entre mon corps et mon esprit. Ma détente corporelle a préparé ma détente mentale. Et maintenant, c'est ma détente mentale qui approfondit ma détente corporelle. Je savoure tout ce que ce niveau sophroliminal m'apporte de sensations et sentiments agréables, de paix, de bien-être, de calme, quel que soit le mot qui me convient. Je vais à la rencontre de moi-même. Je prends le temps en ayant conscience que ce relâchement est un puissant antidote au stress. Surtout si je le pratique de manière préventive. Des séances régulières, voire quotidiennes, agissent en profondeur sur mon système nerveux, en le rééquilibrant. Grâce
à cette technique. Mon corps et mon mental s'entraînent pour atténuer ma fatigue, augmenter mon niveau d'énergie, stimuler ma créativité et ma concentration. Améliorer ma capacité d'adaptation au monde extérieur. Améliorer mon sommeil. Baisser ma tension artérielle. Améliorer ma gestion de la douleur. Stimuler mes défenses immunitaires et faire baisser le taux d'hormones du stress. Alors, je peux faire le choix de détendre mon corps et mon mental avec cet exercice, le plus souvent possible. Dans ma vie quotidienne, par exemple, je peux prendre le temps de m'installer. Par exemple, après le déjeuner, quelques minutes où je ne serai pas distrait, où je pourrai fermer les yeux et relâcher mon corps segment par segment. Puis imaginez qu'à chaque expire, je descends en moi-même. Alors, en demeurant imprégné de tout ce positif, je vais doucement retrouver tout mon tonus, c'est-à-dire réveiller mon corps. Pour cela, je respire un peu plus amplement, deux ou trois fois. Je vais accepter de mettre fin à la séance. Réimaginer l'endroit où je me trouve. Et doucement, mouvement par mouvement, je vais bouger peu à peu mon corps sans précipitation. Je peux sentir peut-être le besoin de m'étirer. De frictionner mes épaules ou ma nuque ou mon visage. Pour reprendre ensuite mes activités avec toute l'énergie nécessaire. Et seulement, quand je l'aurai choisi, quand je me sentirai bien réveillée musculairement, je pourrai rouvrir les yeux et reprendre plaisir à mes occupations. Pour revenir ici et maintenant.